avec Souleymane Bouata, qui après sa belle performance au GFA a combattu ce soir. Il n'a pas connu le même succès. Mais alors quel combat et quelle résistance, hein? J'ai pris Saladin, donc le champion, au premier tour. Voilà, c'était un combat dur, hein, je savais déjà, hein, j'espérais tomber contre lui en finale. Bah, sans penser que les autres étaient moins forts, mais voilà, j'aurais préféré finir avec Saladin. Donc il a gagné, c'est bien pour lui, je suis content pour lui. Impressionnant ce soir Saladin, hein. Ouais, génial, il a fait le doublé de décision contre des gars plus expérimentés que lui. Il est impressionnant, c'est un 98 je crois, ou un 97, il a 19 ans. Il n'y a rien à dire, hein. Prodigieux. Parfait. Petit prodige, je crois qu'il étoile est au ciel ce soir. Hein. Exactement, c'est Saladin aujourd'hui. Donc là, il monte à 7-0 ou 8-0, je crois. Donc, il est bien entouré à la Hatch Academy. Ouais, impressionnant. Et toi, tu as déjà des échéances de prévues ou c'est repos? Normalement, j'enchaîne le 8 avril avec 100%. Il faut que je vois par rapport à mes petits bobos, ouais. Et après, on verra. Voilà. Bah écoute, si c'est pour le 8 avril, je signe tout de suite. Ah, ça fait plaisir. Parce que tu nous régales, Souleymane. Merci pour tout, Fred. Ça fait super plaisir d'être encore là, hein, tu vois. Même avec deux enfants, on essaie de tenir la route, mais voilà. Je sens la fatigue. Ouais. Et ça va aller. Va te reposer, tu l'as mérité. Merci beaucoup, Fred. Merci encore et puis merci. Ben, au mois prochain. Merci pour tout. À bientôt.